Je reviens sur la question des rapports entre les hommes et les femmes. Je pense que, pour employer un mot un peu fort, le rôle des femmes est d'exploiter les hommes. Les hommes sont un peu comme des vaches à lait, en quelque sorte, ou des poules aux œufs d'or. Ils pondent, ils produisent, ils sécrètent, et ben, il faut les traire, il faut prendre leurs œufs. Dans ce sens-là, les hommes ont une fonction matricielle absolument majeure. On comprend mal pourquoi le mot matrice est un mot qui renvoie au féminin, d'ailleurs. Il y a là une confusion qui est typique du fait que, bien évidemment, au moment où l'enfant naît de la mère, il est simplement le prolongement de l'élan initial masculin. Donc ce sont des très vieilles erreurs. À l'époque où on n'avait pas encore identifié le rôle des hommes, si on peut dire. Mais c'est vrai que le rôle d'une femme serait, selon moi, de trouver des hommes comme on trouverait des filons, comme on trouverait des mines. On devrait être à la recherche des ressources humaines, comme on dit. Les hommes constituent une ressource fondamentale pour nous. Population, quelle qu'elle soit. Et cette ressource, elle doit être exploitée. Elle doit être exploitée et elle doit être exploitée largement. C'est pour ça que j'ai toujours, les femmes, elles sont, je dirais qu'elles doivent être, j'ai employé le mot meute, c'est une sorte de meute en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elles doivent être nombreuses, elles doivent, par leur nombre, elles font sens par leur nombre. Et en ce sens-là, elles jouent un rôle dans l'élection, dans la focalisation sur une œuvre sur quelqu'un. S'il n'y a pas nombre, il n'y a pas de focalisation. C'est d'ailleurs un paradoxe intéressant. S'il n'y a pas nombre, il n'y a pas choix. Je ne peux pas choisir s'il n'y a pas du choix, donc s'il n'y a pas du nombre. Et d'autre part, c'est le nombre qui détermine le choix. C'est-à-dire si plusieurs personnes s'intéressent à quelque chose, il y a un choix qui se fait. Donc la dialectique du choix et du nombre, la dialectique de l'élection, elle se fait à double niveau. Et en même temps, c'est parce que, alors, le choix, bon, le choix non plus n'est pas arbitraire, mais on peut dire que tout choix que l'on fait, fait sens. Il faut les dramatiser. À partir du moment où on s'en tient à une orientation quelle qu'elle soit, et qu'on l'approfondit, ça fait sens. Ce qui justifie une forme de, ce que j'appelle une forme de protectionnisme, ou même une forme de d'isolationnisme. Vous savez que les Américains ont souvent été marqués par une forme d'isolationnisme au cours du XXe siècle, notamment, et qui sont toujours entrés en guerre assez tardivement au niveau des deux guerres mondiales. Mais peu importe, le fait est que le choix ne se justifie, si on peut dire, qu'avec le temps. Alors on peut éventuellement prévoir, c'est vrai, on peut avoir des signes qui nous encouragent à aller dans un certain sens, mais on peut aussi se contenter, si on peut dire, du choix qui a été fait. Et la première chose dont on doit se contenter, déjà, c'est de soi-même. Il faut déjà apprendre à s'exploiter soi-même. Et c'est d'ailleurs ce que sont les hommes merveilleusement. Car les hommes ne sont exploitables par les femmes que parce que les hommes s'exploitent eux-mêmes. Parce que les hommes savent tirer d'eux-mêmes le meilleur. Et ça, c'est un avantage extraordinaire que malheureusement les femmes n'ont pas, apparemment. Donc ça, les choses se font à plusieurs niveaux, voyez-vous. Comme dans la Bible, Ève vient en deuxième temps, de la côte d'Adam, comme on dit. Mais en réalité, il y a quand même une vérité derrière tout ça, sans pinailler sur les expressions qui peuvent être utilisées. Donc, résumons-nous, n'est-ce pas? L'homme exploite ses propres ressources,
C'est ce que j'appelle l'altérité intérieure, c'est-à-dire qu'il explore ses ressources, il les exploite, il prend ce qu'il a, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Ce choix, il est imposé à lui-même. C'est avec lui qu'il a un rapport avant tout. Donc, il sait ce que c'est que d'assumer ce qui est. La femme, elle va explorer à l'extérieur d'elle-même. Et donc, elle va devoir trouver une ressource à l'extérieur d'elle-même. D'où cette quête de l'homme. Cette quête qu'elle peut mener à la fois individuellement, dans le cadre du couple, si on peut dire, pas forcément, ou, comme je disais tout à l'heure, collectivement, une espèce de consensus qui va focaliser sur un certain personnage, une certaine œuvre, et qui sera validée par le nombre, en quelque sorte. Voilà comment je vois les relations entre les hommes et les femmes. Donc, vous voyez bien que, il faut être quand même honnête et fair play, on n'est pas en train de diminuer ou de minimiser le rôle des femmes. L'autre jour encore, quand j'interviewais des gens au salon de Radio France, on me dit « Ah oui, mais si vous commencez à parler de différence entre les hommes et les femmes, automatiquement vous allez introduire une hiérarchie. » C'est une femme qui m'a dit ça. Automatiquement. C'est extraordinaire, ça, cette idée. Cette espèce de crainte, comme ça, de paranoïa. Ne parlons pas de différence, parce que ça, forcément, ça va déboucher sur une infériorité chez la femme. C'est bien de le dire, quelque part, c'est bien de l'exprimer. Mais qu'est-ce que ça signifie, franchement? Je crois qu'il y a il faut faire la paix des sexes. Non pas en parlant d'égalité. L'égalité, oui, quelque part, au niveau du droit, je ne sais pas, à un certain niveau, il y a une forme d'égalité, ou en tout cas d'équité. Mais en tout état de cause, cette égalité, elle est aussi... Justement, si on parle d'égalité, c'est précisément parce qu'il y a des différences. Et que malgré ces différences, et en dépit de ces différences, il y a une certaine forme d'égalité. Mais cette égalité n'est pas fondatrice de l'absence de différence. Il faut peut-être les dépasser, si on peut dire, enfin les dépasser, c'est-à-dire les intégrer. Il ne s'agit pas de les nier. Et en tout cas, ce n'est pas en niant quelque chose qu'on arrive à le dépasser. Est-ce que je peux dépasser une voiture si je ne la vois pas? Bon, essayons de voir les choses sereinement, en disant, voilà, les hommes s'exploitent, sont des merveilleux exploiteurs d'eux-mêmes. Tout grand créateur, tout grand penseur est quelqu'un qui s'exploite d'abord lui-même, qui développe, qui épanouit ce qu'il est, ce qu'il a en lui. C'est la fameuse parabole des talents qu'on trouve dans l'Évangile. Et puis, là, à partir de là, il y a des gens qui doivent exploiter celui qui a su s'exploiter. De même que, par exemple, le cultivateur exploite son champ et d'autres commerçants exploitent le cultivateur. Enfin, je veux dire, c'est au niveau, par exemple, des grandes surfaces, il faut bien qu'ils vendent sa production. Donc, le cultivateur, c'est un peu comme un créateur. Il cultive son champ, mais après, il faut qu'il vende. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui vient jouer un rôle important entre lui et le marché, et le public. Et bien entendu, cet intermédiaire, bon, ben, il prend évidemment des bénéfices non négligeables. Mais quelque part, c'est une structure qui est tout à fait pertinente. Dans d'autres pays, il y a par exemple des agents littéraires, des imprésarios, des agents littéraires qu'on ne trouve pas tellement en France, qui sont souvent des femmes d'ailleurs, littéraires ou musicaux, enfin, peu importe, et qui sont là pour justement exploiter quelque part ceux qui ont su s'exploiter eux-mêmes. L'auto-exploitation, pourrait-on dire. Et les femmes ne savent pas s'exploiter, c'est ça la thèse que je défends ici dans cette vidéo. Elles ne savent pas s'exploiter
Elles ne savent pas creuser en elles-mêmes. Elles ne savent pas trouver ce qu'il y a d'intéressant là où elles sont, avec le corps qu'elles sont, avec la situation où elles sont. Et donc elles vont être dans une sorte de nomadisme. Finalement, paradoxalement, l'homme est une sorte de sédentaire de lui-même. Il creuse, il approfondit ce qu'il est, là où il ne va pas ailleurs. Il ne va pas chercher la solution, le salut ailleurs. Il le cherche en lui-même. La femme, tout au contraire, elle va chercher le salut ailleurs, et notamment chez l'homme. Elle va explorer le monde. Elle ne va pas explorer son monde. Ou si l'on préfère, elle va, en explorant le monde des hommes, elle va se l'approprier d'une certaine façon. Et à ce moment-là, on tombe dans une forme de plagiat, on tombe dans une forme d'abus éventuellement, d'appropriation, d'usurpation, qui implique de la part de la femme une certaine honnêteté. C'est peut-être ce manque d'honnêteté qui est le problème majeur ici, voyez-vous. Parce que ce manque d'honnêteté, il crée de la confusion, bien évidemment. De la confusion, puisque il crée ce sentiment qu'ont beaucoup de gens de dire oui, mais bon, finalement, il y a des femmes qui ont la même valeur que les hommes, qui disent des choses aussi intéressantes que les hommes, etc. Bon, mais en réalité, c'est une plaisanterie, c'est tout simplement parce qu'elles se sont appropriées, elles ont exploité ce que font les hommes. Mais il ne faut pas confondre celui qui exploite, celui qui récupère, avec celui qui a produit quelque chose. Enfin, les hommes sont effectivement des vaches à lait. Et heureusement qu'il y en a. Et il y a peut-être pas assez de gens pour les traire, ces vaches à lait. Il y a quelques vaches à lait qui sont traites, mais il y en a peut-être beaucoup qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas assumé pleinement ce rôle qu'elles ont à jouer, de trouver, de tirer, d'exploiter les hommes. On ne reproche pas aux femmes d'exploiter les hommes, bien au contraire. On leur reproche de nier qu'elles les exploitent. C'est ça la différence.